Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Décret présidentiel numéro 95. L'Arménie occidentale peut devenir le défenseur des intérêts et des droits de tout le peuple arménien, ajoute Haroutsinyan. La Russie ne peut exister sans l'Arménie. L'ambassadeur d'Iran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de Bakou à l'occasion du 40e anniversaire de la mort du poète et révolutionnaire Nobar Yalemian. Le problème de l'approvisionnement en gaz dans le village de Jdanovo-Djavark n'a pas encore été résolu. L'Arménie a été officiellement présenté comme membre du World Boxing Council, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Le président de l'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a signé le décret numéro 95 relatif à l'organisation des élections régulières des députés de l'Assemblée nationale et à l'élection du futur président de la République d'Arménie occidentale. Lors de la deuxième journée de la conférence des filles de l'Arménie occidentale, organisée par l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, l'historienne Ashot Haroutsinyan, s'exprimant sur la base juridique du rétablissement de la justice historique, a noté « La République d'Arménie n'a même pas soulevé la question de la condamnation de la Turquie et de son vassal l'Azerbaïdjan de l'occupation des provinces de l'Arménie occidentale, de la Cilicie et des territoires kurdes araxiens de l'Arménie et la question de la réalité de la prévention de la patrie des Arméniennes. » Dans les conditions de la dévaluation de l'idée d'indépendance, de l'absence d'une idéologie nationale unifiée et de l'absence d'une stratégie tournée vers l'avenir, ainsi que des invasions azerbaïdjanaises en cours, les réfugiés arméniens de Chouchi qui se sont réfugiés à Yerevan tournaient les yeux pleins d'espoir vers le gouvernement de l'Arménie occidentale, qui s'acceptait l'Artsakh comme partie inséparable de l'Arménie occidentale et entre dans le champ de la coopération avec les pays développés de l'Occident, peut changer le cours politique traditionnel des trois États arméniens et devenir un défenseur des intérêts et des droits de tout le peuple arménien. Rappelons que les bases d'une réflexion stratégique pour soigner la douleur physique et morale des Arméniens d'Artsakh ont été posées en 1912, composées par Poros Nuba, chef de l'organe représentatif national politique des Arméniens d'Arménie occidentale, chef de la délégation nationale. Vous pouvez regarder le discours dans son intégralité sur la page YouTube de Western Armenia TV. Le premier vice-président de la commission de la Douma de Tarous sur les affaires de la CEA, l'intégration érosienne et les relations avec les citoyens, Kazbek Taïzaev, a déclaré qu'il ne pouvait pas imaginer l'Arménie sans la Russie et la Russie sans l'Arménie. Nos pays sont liés par une grande victoire que personne ne peut leur enlever. En même temps, nous sommes liés les uns aux autres par une culture, une histoire, une religion et une foi commune, a déclaré Taïzaev, ajoutant que la composante de la coopération parlementaire devrait jouer un rôle encore plus important dans la résolution des problèmes de l'Arménie et de la Russie. En ce qui concerne la réunion tenue au Parlement arménien, nous avons une expérience réussie de coopération dans le Haut-Lars. Il y a des problèmes avec l'Ars. Une feuille de route sera créée pour aider à résoudre ces problèmes dans les prochaines étapes, a-t-il déclaré. L'Arménie occidentale entretient des relations amicales avec la Russie comme en témoin le passé historique. Lorsque le 29 décembre 1917, un décret russe a reconnu le droit à l'autodétermination de l'Arménie occidentale jusqu'à son indépendance. Nous continuons à entretenir des relations de bon voisinage guidées par l'intérêt national, bien sûr. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan en Iran, Ali Alizadeh, a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères le 10 novembre. Ceci est rapporté par Armen Press. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Téhéran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères en lien avec les déclarations de responsables azerbaïdjanais et des publications anti-iraniennes hostiles dans les médias azerbaïdjanais, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a également été dit que la queue de personnes incitant au séparatisme en Azerbaïdjan et ouvrant des poursuites pénales dans d'autres pays, dans les ambassades iraniennes et une démarche hostile. Certains se demandent encore qui sont-ils. Le ministère iranien des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que ce processus sera arrêté dès que possible. Nous espérons que ce processus sera arrêté dès que possible et que les mesures nécessaires seront prises pour empêcher qu'il ne se reproduise, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères aux diplomates azerbaïdjanais.
Le 5 novembre a marqué le 40e anniversaire de la mort de Noubar Yalemian, écrivain, poète et révolutionnaire de la génération des années 80, qui a été tué par des assassins des services de sécurité à Utrecht, aux Pays-Bas. Noubar est né en 1957 dans l'une des grandes familles de la province de Vartou, province de Barèche, en Arménie occidentale. En 1969, Noubar a déménagé avec sa famille à Constantinople pendant ses années d'études. En 1974 à 1975, il a participé au mouvement révolutionnaire et a rejoint le rang de partisan. Il se rendit aux Pays-Bas pour participer activement à la résistance contre la junte de 12 septembre. L'intégralité de l'article est disponible sur notre site web. Les habitants du village de Jdanov de la municipalité de Ninotsminda n'arrêtaient pas de rêver de gaz naturel. Ils sont privés de routes normales et la neige abondante en hiver ferme non seulement les routes entre villages, mais coupe également le village de la ville. Environ 100 familles vivent à Jdanov, mais année après année, faute de conditions de vie normales et l'événement, des familles quittent le village. 6 familles ont quitté Jdanov. Cette année, les gens veulent vivre dans le confort, dans le bon condition. Aujourd'hui, il n'y a pas de gaz naturel dans le village. Les maisons sont chauffées au bois de chauffage et à la tare. Le village est principalement engagé dans l'élevage. Il y a peu de terres arables. Certaines ont de petites fermes, d'autres de plus grandes. Lors du 60e congrès du World Boxing Council au Mexique, Mauricio Suleiman, le chef de l'organisation, a officiellement présenté l'Arménie comme représentant de VBS. Dans la région, le service de presse de la Fédération arménienne de boxe professionnelle rapporte l'information. Les parties ont discuté des perspectives de coopération. Selon l'accord, 3 boxeurs arméniens, Rafael Simonian, Aram Fanyan et Valery Hovhannisyan, organiseront des combats de classement, indique le message. Le président de la Fédération arménienne de boxe professionnelle, Garnik Harutyunyan, a déposé une candidature pour que le boxeur arménien, Noel Mikhaïlian, participe à la lutte pour la ceinture du championnat. Il n'est pas exclu que le combat de championnat ait lieu en Arménie. Chers compatriotes, l'Arménie occidentale ne fait pas d'autopromotion. La direction de l'Arménie occidentale restant fidèle à son idée et à ses principes, continue de présenter divers événements liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de notre pays, d'une manière nouvelle à travers la télévision et d'autres plateformes, informe sur la transition politique et sociale du gouvernement et vous donne également à tous la possibilité de communiquer plus étroitement ensemble. Grâce à notre télévision, vous pouvez établir en contact direct avec les membres du gouvernement de l'Assemblée nationale. Vous pouvez soulever toutes les questions qui vous concernent, qui sont directement liées à l'Arménie occidentale et à ses citoyens. Et vous pouvez également proposer divers sujets intéressant les propositions. En plus d'être téléspectateur, vous avez également la possibilité de devenir citoyen d'Arménie occidentale en suivant la procédure appropriée. Nous vous rappelons que Western Armenia TV ne s'engage pas dans l'autopromotion, mais souhaite entendre davantage ses opportunités et ses connexions à travers vous. Votre soutien est une victoire pour nous tous. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Oh, sure.